Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro du mois de juillet. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies, on va aller voir quels sont les challenges à relever, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet. Et on utilisera à la fin les breloques. Alors, on y va les amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau donc de l'énergie? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de juillet? Voilà, ça part dans tous les sens, ok. Alors, il me faut une carte. Et on a message à venir aujourd'hui. Donc, je comprends pourquoi toutes les cartes sont sorties. En fait, il y a quelque chose de vraiment très important qui arrive. Il y a quelque chose d'urgent qui va débouler dans votre vie, qui va vous tomber du ciel comme ça. Et au mois de juillet, vous n'allez pas comprendre, mais ça va être quelque chose d'incroyable, ça va être une bonne nouvelle, ça va être quelque chose de vraiment très positif, mais vraiment quelque chose de très rapide. Donc attendez-vous à ce que juillet, ça soit mouvementé et que ça bouge dans tous les sens. Alors, hop, on me dit que si certains, vous avez prévu des vacances, sachez qu'il va y avoir quand même pas mal de mouvements, pas mal d'actions pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juillet? On a l'enthousiasme, ok. Donc, vous voyez, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est quelque chose de très positif qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous donner beaucoup de joie, de bonheur. Ici, on a l'enthousiasme qui est sorti. Donc, je vous avais dit, hein, c'est vraiment une bonne nouvelle, quelque chose d'incroyable, quelque chose qui va vous permettre de déployer vos ailes, de vous sentir vraiment léger, légère. Donc voilà, les amis Balance, je suis trop contente. Ce que j'entends ici, c'est que ça peut être un voyage. Donc du coup, comme on est au mois de juillet, ça peut être un départ en vacances. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Mais voilà, pour certains Balance, ici on a vraiment cette notion de nouvelles qui arrivent. Donc une communication qui peut vous faire du bien. Ça peut être une communication avec une personne de votre entourage, un ami, une amie. Quelqu'un qui vous vraiment vous apporte beaucoup de bonheur, de joie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en dos de deck, on a la défense. Donc, mes guides m'ont dit, regarde cette carte. Alors, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que certaines balances, vous allez recevoir cette nouvelle et vous allez être un peu méfiant. Dans le sens où vous allez vous demander si c'est trop beau pour être vrai. Donc, on vous invite vraiment à prendre votre libre arbitre, à poser le pour et le contre. Donc, les balances, vous savez super bien le faire. Mais on vous invite aussi à prendre une décision par rapport à ça. Essayez de ne pas trop vous poser de questions et de vraiment vibrer dans votre cœur. Si ça vibre dans votre cœur, vous savez que c'est ok. Si ça vibre pas, vous laissez tomber. Mais ça serait dommage de gâcher un peu cette joie, ce bonheur que cette nouvelle va vous apporter en étant trop sur la défensive. Voilà, ça c'est pour certaines balances. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on va aller voir votre état d'esprit du coup et je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet? On a protection et réalisation. Donc là, c'est incroyable parce qu'on a une sorte de papillon, une sorte de petit esprit de la nature. Et du coup, je vous avais dit que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Et ici, c'est vraiment deux personnages qui se ressemblent, sauf que celui-ci, il n'a pas d'ailes. Mais là, ça sort vraiment. Donc, cette nouvelle va vous permettre vraiment de déployer vos ailes, d'entamer un nouveau cycle dans votre vie. Et ça, c'est vraiment important. En plus, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, c'est pour ça, certaines balances, si vous recevez cette nouvelle et que vous êtes un peu sur la défensive, sachez que vous êtes protégé. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous êtes protégé et vous avez le pouvoir de choisir ou non par rapport à cette nouvelle, cette décision qui va arriver. Alors, du coup, donc comment va évoluer vos désirs par rapport au mois de juillet? Comment vont évoluer vos désirs, les amis Balance? Ici, on a une transformation incroyable. Donc, on a des énergies qui se suivent. On a des énergies qui sont complémentaires. Donc, on a cette nouvelle qui arrive. On a quelque chose de très important qui vous permet de retrouver de la joie, du bonheur. On a une protection, une réalisation. Donc, sachez que peu importe le projet que vous avez, puisque c'est une guidance générale, peu importe le projet que vous avez, vous allez pouvoir vous transformer. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Et ça, c'est incroyable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste dans votre vie. Donc, peut-être que vous avez demandé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, à activer ça. Et ça arrive enfin au mois de juillet.
Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certaines balances, vous avez lâché prise sur certaines choses. Et donc, du coup, la vie vous amène ce dont vous avez besoin parce que vous avez lâché prise. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de la défensive qui est ressortie en dos de deck. C'est parce que, justement, pour certaines balances, si vous êtes encore dans ce contrôle, dans cette appréhension d'être un peu sur la défensive, on vous invite vraiment à vous ouvrir. Parce que c'est important de voir le pour et le contre, c'est important de se protéger. On est dans une société où c'est vraiment essentiel de le faire, mais il faut aussi savoir être dans son cœur et voir ce qui vous correspond en fait, ce qui est adapté pour vous, ce qui vous permet justement de vibrer. Donc il faut trouver un peu ce juste milieu, comme la balance. On a vraiment cette notion de trouver ce juste équilibre entre se protéger et s'ouvrir au monde et aux opportunités. Alors, du coup, c'est magnifique, ça commence super bien les amis balance. Donc, on va aller voir le message général. Hop, qu'est-ce qu'on a au niveau du message général? J'avais envie de prendre le tarot Art Nouveau avec des enluminures. Donc je pense que voilà, c'est pile poil dans les énergies de l'été, avec cette belle lumière, ce beau soleil. Alors, au niveau du message général, donc qu'est-ce qui se passe au mois de juillet pour les amis balance? Hop. Ok, ici on a un 7 d'épée qui est ressorti. On a un 9 d'épée. On a le 2 de bâton. On a la force. Hop, et je vais les mettre un peu plus par là pour que vous puissiez toutes les voir. Waouh, ça saute vraiment, c'est incroyable. Alors, et on a le 3 de denier. Et en dos de deck, on a le 10 de coupe. Donc, je vais vous la mettre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je comprends pourquoi certaines balances, vous êtes sur la défensive. Je comprends pourquoi vous avez du mal à lâcher prise. Pourquoi? Parce que ici, on voit ce 7 d'épée, ce 9 d'épée qui sont ressortis. Donc, c'est possible que dans les semaines qui ont suivi ce tirage, c'est possible que vous ayez vécu des petites entourloupes, dans le sens où il y a peut-être quelqu'un qui a profité de vous, peut-être que vous vous êtes fait manipuler, j'entends. On m'envoie vraiment ce mot. Peut-être qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, il y a eu une affaire ou il y a eu des projets qui ont mal tourné. Enfin, il y a quelqu'un ou une situation qui vous l'a mis un peu à l'envers. Et donc, du coup, ça s'est répercuté dans votre vie par du stress, des angoisses, peut-être aussi du mal à dormir. Mais il y a vraiment cette notion d'être perturbé par une situation, quelque chose voilà, qui vous a profondément impacté. Ici, on voit qu'au mois de juillet, vous allez vous libérer de ça. Pourquoi? Parce qu'on a ce 2 de bâton. Il va y avoir une transition très importante. Et c'est pour ça qu'on vous envoyait le message positif. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ce que vous avez vécu dans le passé, c'était comme une sorte d'épreuve. C'était une expérience à vivre qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus grand et de plus épanouissant. Et c'est pour ça qu'on a commencé les amis balance. C'est un peu comme si la guidance avait envie de vous rassurer, de vous dire que tout va bien. En fait, si vous avez vécu des choses qui vous ont traumatisé, si vous avez été avec une personne qui vous a manipulé ou qui a profité de vous, on vous dit que l'avenir va être bien plus épanouissant pour vous parce que vous allez comprendre certaines choses. Avec ce 2 de bâton, on a vraiment cette notion d'essayer de trouver, moi j'entends, de trouver son équilibre. Donc, c'est vraiment essentiel pour vous parce qu'on a quand même ce 2, donc la balance, on a les deux plateaux. Donc on vous invite vraiment à trouver un équilibre. Et j'entends que pour certaines balances, ce n'est pas un choix A et un choix B que vous allez avoir, c'est vous allez aussi avoir un choix du milieu, j'entends. Quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir en pouvant jongler entre les deux, en fait. Ici, on a la force qui est ressortie. Donc cette expérience que vous avez vécue dans le passé, c'est quelque chose que vous pouvez dépasser vraiment en étant, en vous sentant accompagné et protégé. Parce qu'au début de la guidance, on a eu la protection et on a eu la réalisation. Et je pense que pour certaines balances, vous avez besoin de vous sentir entouré par des gens de confiance. Ici, on a une personne qui est toute seule et qui pleure. La carte, le 9 d'épée,
quelque chose qui se passe la nuit. C'est des choses qui remontent la nuit. Donc quand on est seul, quand on se sent seul aussi. Là, on vous invite vraiment à vous sentir protégé, rassuré. Avec la force, on a vraiment cette puissance qui ressort, on a ce courage. Et avec le 3 d'épée, c'est essentiel. On vous dit que peut-être que dans le passé, vous avez vécu des choses avec certaines personnes, mais aujourd'hui, vous avez compris ce qui s'est passé et vous êtes à même, les amis Balance, de faire la part des choses entre les gens qui sont bons pour vous et les gens qui ne le sont pas. Et c'est ça qui va être essentiel au mois de juillet. En fait, ça va être un peu ça, ce qui va tourner en votre faveur. C'est qu'à un moment donné, vous allez faire un gros nettoyage et vous allez vous associer avec des personnes de confiance. Des personnes avec qui vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'être, vous avez envie de travailler. Vous faites entièrement confiance à ces personnes-là. Et c'est ça qui va être incroyable parce que vous allez retrouver cette force et cette puissance pour pouvoir construire quelque chose de beau dans votre vie. Donc là, les amis Balance, on vous demande de vous entourer de personnes de confiance. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et on vous dit que vous pouvez, en fait, avec tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous êtes à même aujourd'hui de voir qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Et ça, c'est une qualité qui est incroyable. Et en 2 de deck, on vous dit qu'il y a le 10 de coupe qui arrive. Donc, c'est une carte qui est magnifique. Elle n'est pas encore rentrée dans votre vie, mais elle va venir. Donc, vraiment, ce qui est beau dans cette guidance, les amis Balance, c'est qu'il y a une incroyable évolution. Il y a une transformation puissante. Donc, vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez énormément donné aussi de votre personne. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va vous emmener vers beaucoup plus de lumière, d'harmonie, d'épanouissement. Alors, du coup, on va aller voir les challenges pour le mois de juillet. Mais par contre, on me dit alors de vous tirer en premier le petit message des anges. Je voulais tirer à la fin, mais pour vous, ça va être important de l'avoir maintenant. Pourquoi ? Parce que vous êtes accompagné et guidé. Alors, quel est le message ? Elles veulent toutes venir. Et ok, c'est ceci. Alors, pensée globale. Tu as été encouragée à déployer tes ailes. Et voilà. Incroyable, j'adore. Merci mes guides, merci la vie, merci, enfin, c'est trop beau. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. En fait, c'est ça. Pour certaines balances, si vous ne savez pas comment agir par rapport à une personne ou une situation, on vous invite vraiment à ne pas choisir entre la solution A ou B parce que vous avez autre chose qui vous attend. Et ici, on vous dit d'ouvrir votre regard. Imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur. C'est ça, en fait, la clé. C'est d'aller à l'intérieur de votre cœur et de voir qu'il y a des possibilités infinies dans ce que vous vivez. Et il y a des potentiels illimités. Ça, c'est le 2 de bâton qui ressort avec le monde qui est au milieu. Donc, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà. Hop. On est vraiment là-dedans. Si vous pensez être bloqué dans une situation, on vous invite à voir que les possibilités sont infinies et illimitées. Et comment vous pouvez découvrir ça? En allant dans votre cœur. Allez, message magnifique. Alors, du coup, on va aller voir les challenges. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir... qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour justement dépasser les choses pour ce mois de juillet? Alors, quels sont les challenges pour vous? Super. Alors, on a le Balm Brack. Douceur sucrée et synergie. Donc, on a une carte positive qui est ressortie pour vos challenges. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les challenges et les défis à relever? On a le pardon non accordé. Ok. Et on a douche énergétique. Et en dos de deck, on a la déception qui est ressortie. Donc, je pense pour certaines balances, il y a vraiment cette notion d'avoir fait confiance à quelqu'un et d'avoir été trahi. Donc ce sentiment, il est toujours à l'intérieur de vous, il est toujours ancré, il est au niveau énergétique, il est toujours présent, que ce soit conscient ou inconsciemment. C'est vraiment très important de savoir vous libérer de ça.
Ici, on va vous inviter justement à vous pardonner et par la suite à pardonner votre autre, cette situation ou cette autre personne. Donc ici, j'entends certaines balances qui vont dire « Oui, mais il m'a fait énormément de mal, elle m'a fait énormément de mal, je ne peux pas pardonner. » Alors sachez que quand on pardonne, en fait, c'est simplement pour se libérer des attaches qu'on a. Ici, j'aime bien ce dessin parce qu'on voit vraiment cette notion d'être emprisonné par justement ces sentiments de trahison. Peut-être qu'il peut y avoir de la colère aussi. Là, on voit qu'il y a de la déception. Donc, quand on ne coupe pas les liens qu'on a avec l'autre personne ou la situation, on ne peut pas vivre pleinement sa vie. On perd beaucoup d'énergie. C'est incroyable au niveau énergétique. Il y a énormément de fuites. Du coup, c'est très compliqué aussi de s'occuper de son cœur. C'est très compliqué d'aller dans son cœur. Donc voilà, il y a toute une notion de nettoyage, de purification, mais surtout de lâcher prise. Plus vous allez pardonner par rapport à cette situation, plus vous allez vous pardonner aussi, plus vous allez lâcher les valises et plus vous allez pouvoir vous accomplir dans votre vie et accueillir des choses qui sont belles. Quand on ne pardonne pas comme ça, on peut avoir tendance aussi à répéter les mêmes schémas dans sa vie. Et donc du coup, ici, on vous invite à avoir déjà plus de douceur par rapport à vous. C'est vraiment important, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un et dire « bon, je te pardonne et tout, voilà, en 2 secondes, c'est fait ». Moi, je pense ici que certaines balances, vous avez besoin d'aller dans votre cœur. Et j'entends qu'il y en a pour certains, vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin vraiment d'évacuer tout ça. Et je pense que pour certaines balances, vous avez peur aussi d'aller dans votre cœur parce que vous avez peur des sentiments, des choses qui vont remonter à la surface. Mais ici, on vous invite à vous reconstruire, à recoller les morceaux et à vous apporter beaucoup, beaucoup de douceur parce que là, on a le barmbrack. Et c'est très spécifique parce que dans ce gâteau, en fait, on met des petites choses dedans. Et en fonction de ce qu'on tire, on a des signes et des messages. Et là, ce qu'on est en train de vous dire au niveau de la guidance, on vous dit de ne pas rester coincé dans cette situation ou avec cette personne compliquée, en fait. On vous dit que le monde vous est ouvert, mais il va falloir vous libérer justement de ça. Après, il existe beaucoup d'exercices. Je suis en train de créer une partie membre pour pouvoir justement proposer des solutions, des exercices beaucoup plus personnalisés. Donc voilà, j'attends l'accord de YouTube, c'est en cours de vérification. Mais ensuite, vous verrez, en bas, il y aura l'espace membre qui sera disponible. Mais ici, on vous invite vraiment à lâcher prise là-dessus. Il y a quelque chose qui vous retient encore du passé et qui demande à se libérer. Ici, on vous invite à prendre une douche énergétique. Ça, c'est un exercice qui est tout simple à faire. Vous prenez votre douche, vous imaginez qu'il y a de la lumière qui descend, qui coule comme l'eau à travers tout votre être et qui emporte tous les miasmes, toutes les énergies négatives que vous portez. Vous pouvez aussi rajouter du sel, c'est très efficace. Donc voilà. Alors, ici, il y a vraiment cette notion de se libérer de ça pour pouvoir justement avancer et aller vers la lumière. Allez, du coup, on va aller voir dans les domaines de votre vie, qu'est-ce qu'on a ? Hop, on va commencer par le pro. Alors, les amis balance, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? On a maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Niveau pro. Et on a une impératrice qui est ressortie. Donc ici, en fait, on vous demande vraiment de vous apporter beaucoup plus de douceur. Ça ressort. Les amis balance, vous êtes très sensible. Vous êtes très émotif, j'entends. Et on vous demande vraiment de vous protéger. Vous voyez, je vous avais parlé de cet équilibre entre protection et ouverture. Et ici, l'impératrice, c'est ça. L'impératrice, elle a la maîtrise. C'est quelqu'un qui sait justement se protéger et à la fois ouvrir son cœur. C'est une impératrice qui sait comment gérer sa vie, comment, j'entends, suivre le flux et l'énergie de la vie. Et ici, on vous invite à apprendre de vous. Donc, au niveau professionnel, on a vraiment cette notion de retrouver son pouvoir, de se servir de ses expériences
pour pouvoir enseigner aux autres, enseigner justement comment accepter sa féminité, comment accepter sa sensibilité, comment s'ouvrir tout en se protégeant. Vous pouvez aussi défendre des personnes qui sont vulnérables. Mais ici, il y a vraiment cette notion de transmettre. Et on vous dit que plus vous allez justement pardonner, vous offrir de l'amour, vous ouvrir justement à votre féminité, plus vous allez pouvoir accompagner les autres. Ici, on voit des balances qui sont vraiment dans la transmission. Et pour transmettre, il faut déjà être passé par là. Il faut déjà avoir vécu tout ça. Donc vos expériences passées vont vous permettre justement d'enseigner et de transmettre à d'autres personnes, à d'autres femmes entre autres, cette belle énergie en fait. Donc c'est quelque chose qui est incroyable parce que au mois de juillet, vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu dans le passé va vous permettre, ça va être comme un tremplin pour vous épanouir et aller au-delà de ce que vous avez imaginé. Hein. Parce que j'entends que certaines balances, vous avez du coup... vous avez tendance à vous minimiser, à ne pas être dans votre plein potentiel parce que peut-être pour certains vous pensez que ce n'est pas, vous ne méritez pas ça ou que vous n'avez pas de dons, de capacités. Or ici, on vous dit que vous êtes une impératrice, donc vous pouvez créer des choses, vous êtes dans l'amour, vous distribuez de l'amour autour de vous. Vous enseignez, vous pouvez même enseigner aussi ce qu'est l'amour, ce qu'est le plaisir, ce qu'est accueillir vraiment ses sentiments. Ce sont des choses qui sont très importantes. Voilà, mais il y a un cheminement qui va se faire. Alors, on va aller voir du coup au niveau des amours. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours ? Alors, sachant que je ferai un astro amour. Du coup, pour les membres de la chaîne. Alors, on y va au niveau des amours. Les amis balance, qu'est-ce qu'on a? On a une surprise. Et oui, c'est ça. On a la surprise qui est là. Et on a, en dos de deck, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, je pense pour certaines balances, vous allez être surprise. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Et au départ, vous allez être un peu méfiant, méfiante, dans le sens où vous n'allez pas savoir comment réagir. Alors, du coup, ici, on a quand même la jalousie qui est ressortie. En fait, ça peut être un ex, ça peut être une personne de votre passé. Et là, on vous dit vraiment, pour certaines balances, de trouver le juste milieu. Pour certains, ça va être une belle surprise, ça va être quelque chose d'incroyable. Ça va être peut-être une réconciliation, ça va être aussi peut-être des échanges qui vont permettre de comprendre ce qui s'est passé. Pour certaines autres balances, ça peut être aussi un signal d'alarme, de vous dire que les choses ne changeront pas, que cette personne, elle est peut-être jalouse, qu'elle vous a manipulé, qu'il y a eu de l'emprise. Et donc du coup, soit cette communication, ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé, ou ça va vous permettre aussi de discuter avec cette personne, parce qu'on a quand même le pardon qui est revenu. Donc peut-être que cette personne va rentrer dans votre vie, va revenir dans votre vie pour justement vous montrer ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Et donc du coup, vous allez pouvoir justement soit couper les liens, soit construire quelque chose de nouveau avec cette personne. Et ça, c'est à vous de le voir. C'est à vous d'être dans votre cœur et de savoir si il y a des signaux d'alarme. Vous saurez qu'il ne faut pas y aller. Mais si ça vibre de partout, vous saurez qu'il y a peut-être une possibilité de reconstruire quelque chose. Alors, du coup, on va aller voir au niveau du bien-être. Qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Et je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être pour les amis balance? Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez-vous votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Alors ça touche aussi le professionnel. Hop, c'était un petit message en plus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci. Recevoir l'énergie. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Alors ici, j'entends plusieurs choses pour les amis balance. Donc déjà, vous êtes l'impératrice, donc vous êtes une personne qui est ouverte sur les autres,
qui est ouverte sur le service en fait. Et c'est pour ça qu'on a vu que dans le passé, vous avez peut-être été manipulé, peut-être qu'on a profité justement de votre gentillesse et de l'amour que vous distribuez. Ici, on vous dit que c'est très important déjà de recevoir l'énergie divine. Ici, on m'envoie un message, on me dit que c'est essentiel de comprendre qu'il y a en fait la société et le divin, le sacré, la vie sacrée. Il y a aussi une différence entre recevoir l'énergie des autres, avec tout ce qu'ils portent, on m'envoie l'image des poubelles, et de recevoir l'énergie divine. Et c'est ça qui est important. Pour certaines balances, vous êtes une éponge émotionnelle, vous prenez beaucoup au niveau des énergies des autres, et on vous invite justement pour pouvoir vous réaliser et vous ouvrir justement au divin, vous ouvrir à cette énergie divine qui est dans votre cœur. Ouvrez-vous à cette belle énergie parce que vous verrez, c'est complètement différent que de recevoir les énergies des autres. Et c'est ça qui va vous aider justement à avancer au mois de juillet. Vous allez retrouver peut-être il y a plus d'harmonie, plus d'épanouissement, moins de stress, j'entends. Et vous allez pouvoir aussi, je vous ai dit au début de la guidance, vous ouvrir à plus de lumière. Et c'est parce qu'en fait, vous allez apprendre à vous ouvrir au niveau du cœur et à non pas recevoir toutes les croyances limitantes, les pensées limitantes des gens, toutes leurs énergies négatives qui ne nettoient pas, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience qu'ils portent des énergies, voilà, qu'ils ont des poubelles à l'intérieur d'eux et qu'il faut vider tout ça. Donc on se brosse les dents, mais faire une douche énergétique, c'est pas encore au programme de tout le monde. Donc là, on vous invite vraiment à canaliser plutôt l'énergie divine parce que c'est une énergie qui va vous donner du peps, qui va vous donner de la force, de la puissance. C'est pour ça qu'on avait aussi la force et le 3 de denier qui est ressorti. Parce que pour certaines balances, vous allez accomplir des choses incroyables en étant connecté avec la vie, avec le sacré. Et en plus, la balance, vous aimez ce qui est beau et ce qui est sacré. Et c'est ça qui est essentiel, c'est que pour certaines balances, vous avez peut-être perdu la notion de ce beau et de ce sacré parce que vous êtes entouré par peut-être des énergies qui sont trop lourdes. Donc là, on vous invite vraiment à aller dans la lumière et à canaliser cette belle énergie, cette énergie de puissance. Alors, du coup, c'est trop beau comme message, j'adore. Allez, on va aller voir au niveau des breloques. Est-ce qu'on a des messages supplémentaires? Voyons voir un peu. Hop, je pousse tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a des amis balance? Donc, au niveau des dons et des capacités, on a vraiment le fleurissement. On a quelque chose qui prend vie. Il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir. Je pense que si vous cherchez des réponses, on vous invite vraiment à vous connecter au divin. C'est pas forcément le monde matériel qui vous apportera vos solutions. Ici, pour certaines balances, on a cette notion d'aller connecter le divin, d'aller connecter la source et de prendre aussi conscience que vous avez des dons et des capacités qui sont incroyables et qui ne demandent qu'à s'ouvrir en fait. Et plus vous allez vous connecter avec cette belle énergie divine, plus vous allez ressentir que la vie est sacrée, que la vie est importante et plus vous allez pouvoir justement déployer vos ailes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'amour, la personnalité, il n'y a rien qui est ressorti, la communication non plus. Donc ça, c'est, je pense que c'est de l'ordre de la surprise. C'est pour ça qu'on... En plus, alors, ce qu'on m'envoie ici comme message en même temps, désolée, j'ai un peu coupé court, mais je vais l'oublier sinon. On me dit que pour certaines balances... Alors, comment m'a dit exactement? On me dit en fait que vous n'avez pas besoin de savoir trop à l'avance, sinon vous allez énormément cogiter. Et donc du coup, l'univers va vous envoyer ça au dernier moment pour que vous ne soyez pas là, hésitant à savoir si vous devez faire ça ou faire ci ou faire ça. Ça va vous tomber dessus et vous n'allez même pas pouvoir avoir le temps de cogiter et tout. Alors, racines, ancêtres et passés, on a le petit chat qui est là. Donc peut-être que vous avez perdu un animal de compagnie et il vous fait un coucou en fait. Il vous dit « je suis là, je suis à tes côtés et tout ». C'est un petit clin d'œil pour certaines balances. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans la surprise, c'est incroyable. On a beaucoup, beaucoup de choses. On a les carottes qui sont ressorties. Donc, on a le donut. Il y a aussi le petit outil qui est ressorti avec l'engrenage.
Donc ici, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est l'univers qui met la dernière pièce du puzzle, qui assemble les dernières choses pour que vous puissiez recevoir votre surprise. Donc pour certaines balances, vous avez énormément travaillé là-dessus. Je pense que vous avez fait des rituels, vous avez fait la loi d'attraction pour pouvoir justement changer votre vie et avoir plus de plaisir. Ici, on vous dit que c'est important que toutes les prières que vous avez faites vont arriver et que vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de plaisir. C'est possible qu'il y ait aussi une sortie, une invitation pour aller dans la nature, pour profiter et tout. Donc, on vous invite vraiment, si vous sentez que ça vibre dans votre cœur, à y aller. Mais vous avez le choix. Alors, ensuite, au niveau de l'amitié, donc on a la musique et on a les clés. Donc, je pense qu'il y a une personne dans votre entourage. En fait, c'est ce qu'on expliquait au début, c'est qu'il y a cette notion de faire confiance. Donc avec la clé, on a les solutions, on a la possibilité de laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Et avec la musique, c'est quelqu'un de joyeux. Donc, mois de juillet, vous allez vraiment faire le tri par rapport aux personnes qui vous entourent et à leurs énergies. Vous allez comprendre et différencier l'énergie d'amour, la lumière pure, et les énergies que les gens portent. Et vous allez, je pense pour certaines balances, vous avez la capacité aussi de ressentir énormément les énergies. Donc peut-être pour l'instant, vous n'arrivez pas à différencier le bon du mauvais, entre guillemets, mais ça va venir, ça va s'ouvrir petit à petit en fait. Et ça va être très important pour la suite, du coup, on me dit ça. On me dit que ça va être très important pour la suite, pour votre vie future en fait. Voilà, bon bah du coup, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai vraiment été ravie de la faire avec vous, les balances. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.